Je pense que cette exposition qui s'appelle Jamais Oscar Dominguez et Pablo Picasso, qui unit Pablo Picasso et Oscar Dominguez, le peintre canarien, cette exposition, elle est vraiment exceptionnelle. Pourquoi? Parce que c'est une véritable résurrection d'une œuvre d'art qu'on pensait disparue. En effet, il s'agit d'un objet surréaliste qui s'appelle Jamais, qui est un phonographe modifié, qui a été complètement transformé par Oscar Dominguez en 1937. Et cet objet a été exposé en 1938 à deux occasions, en janvier-février 1938, lors de l'exposition internationale du surréalisme à la Galerie Beaux-Arts à Paris, puis en mars, de mars à juin, à Amsterdam, c'était une exposition internationale du surréalisme un petit peu réduite à la Galerie Robert. Or, depuis cette époque, l'objet, on pensait qu'il avait disparu, qu'il avait été détruit, et c'est une sorte de miracle. Emmanuel Guigon a retrouvé la piste de cet objet, et c'est pourquoi maintenant il est au centre de l'exposition. Donc c'est une résurrection, et cette résurrection, elle permet en fait non seulement de montrer l'objet, mais d'évoquer en particulier l'exposition internationale du surréalisme à Paris en janvier-février 1938, la salle principale qui est une véritable installation extraordinaire. Dans cette salle principale, l'objet Jamais occupe un rôle essentiel. Le deuxième point, c'est que le vernissage du 17 janvier 1938 a été vraiment un succès étonnant. Au cours de ce vernissage, une danseuse qui s'appelle Hélène Vanel, que les surréalistes ont considérée d'ailleurs comme la danseuse surréaliste, a fait une performance. Donc, c'est aussi l'occasion de voir que le phonographe est en relation avec cette danseuse. Donc, l'exposition nous permet d'évoquer, grâce à ce phonographe, à la fois la salle principale, qui est une installation extraordinaire, qui est peut-être l'installation la plus extraordinaire de toutes les expositions internationales du surréalisme, et aussi ce moment essentiel du vernissage avec la performance de la danseuse Hélène Vanel. Et enfin, il y a deux autres aspects importants, c'est que cet objet, on peut dire que c'est peut-être un des objets surréalistes les plus remarquables. Et il faudrait en parler de cet objet en tant que tel. Et enfin, l'autre chose, c'est que justement Emmanuel Guigon, grâce à qui on a pu redécouvrir cet objet, eh bien Emmanuel Guigon a compris que cet objet, eh bien, n'avait pas disparu puisqu'il se trouvait dans les archives de Pablo Picasso. Et à cette occasion, on comprend qu'il y a une relation très forte entre le surréaliste canarien Oscar Dominguez et Pablo Picasso, puisque vers 1945, Oscar Dominguez a offert eh bien, le phonographe Jamais à Pablo Picasso. Voilà, voilà pour résumer l'intérêt en somme de cette exposition.